I'm all in, la famille. Merci de me follow, la famille. Merci. Vous êtes plus de 60 000 followers sur la chaîne Twitch, 127 000 sur la chaîne YouTube. C'est énorme ce qu'on accomplit depuis quelques années grâce à vous. C'est énorme. Et là, on est en train de jouer Indica au calme. 1 400 000 à la gagne au calme. 900 joueurs restants, ils payent au calme. On a... Pourquoi il a 4 et 5, on sait pas. Pourquoi il fait quinte? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il a payé 4 et 5? Il est fou. J'ai l'impression que c'est une caméra cachée. Je vous jure, j'ai l'impression que c'est une caméra cachée. Il a rescol 4 et 5 suité, c'est un fiche d'Allemagne, c'est un fiche. Il est là, il est perdu. Il a 3x depuis tout à l'heure, je n'avais pas compris en fait, c'est juste un fiche en fait. Je peux pas. Hey, je suis mort de rire, je viens de faire 47ème sur 899, le mec m'a payé 4 et 5. Il y avait 1 million 4 à la gagne, je suis mort de rire. Ça me fait comme quoi, on peut se détacher les amis, on est détaché dans la vie. Je vais juste prendre une pause, je vais quand même aller sur la terrasse quand même, respirer un petit coup, réaliser ce qui vient de se passer parce que j'ai pas réalisé. Est-ce que je peux gagner 35 000 $ ce soir? Dites-le moi, indigène. J'ai qu'un flush. Tournoi 1 000 $, j'ai fait qu'un flush les gars, pas quinte, pas flush, mais qu'un flush. Non, mais mise, à quelle heure tu mises? Qu'est-ce qu'il avait ce chien? Dame 10 suité. Putain, il a snap check back dame 10 suité. Genre rien à foutre quoi. Genre je bluffe pas quoi. Putain, mais il a un spot de bluff easy. Comment il peut snap check back river? C'est incroyable. C'est des millions, faut prier. Un as. As 9. Incroyable. Je fais que des foules maintenant. Yeah baby, tu fais des bleeps. Je chauffe de plug sur le 215 avec un bounty énorme sur moi. Il peut que me coller, voilà. Évidemment qu'il a une main pour me coller. On peut doubler pour un pot énorme. Non. Non, pas ça. Non. Allez, on est all-in contre Roberto Romanello. Et c'est Patrick qui nous colle. Si on gagne ce coup, on mettra la trique d'une vie, les gars. La dame. À nous de faire la dame. À nous, chacun son tour. Oh, Anissa, je te baiserai les pieds. Une fois. Et je suis amoureux de la fille de mes rêves. Putain! Allez, on va rejouer les gars, Monopoly. 2 et 2! C'est un double. On rejoue, ça veut dire qu'on rejoue ça. C'était la seule chance de rejouer, sinon on jouait plus. Hein. Allez, x10, hop, 100 balles. Allez, maintenant. Je sais pas combien il faut faire, je m'en fous. Fais un double pour qu'on rejoue pour Rue de la Paix. 12, un double, n'importe quel double. 6, c'est pas un double, putain. Mais c'est quoi encore 6, c'est la prison, non? Ah non, c'est la prison, putain. C'est la prison, putain. Putain! C'était x7, c'était x30! C'est 300 balles le 7! On a bust. Go to jail. On a sauté, les gars. En fait, à ce jeu-là, 330 balles, je me sens refait quand même. Bon, après, si j'avais mis 1000 balles sur le bet, j'aurais gagné 33 fois 1000 balles. J'aurais pris 33 000 euros, quoi. Jawad Rizzoli, le mignon. Ah, c'est Jawad Rizzoli, putain. C'est Jawad. C'est tellement Jawad, lui. Regarde le profil, c'est le même. Regarde, je le suis, regarde. Je suis. J'ai fait qu'un flush, les amis. C'est une qu'un flush, c'est une vraie qu'un flush. Et je suis battu par une main quand même. As-roi de trèfle, faut le savoir. S'il y en a un qui a as-roi de trèfle, j'arrête le poker. Et je vais faire comme Bidule. S'il y en a un qui a as-roi de trèfle, j'arrête le poker et je suce la bite de Tuffer. Check back. Un deuce. Oh, t'as full. Ça tombe bien, j'ai qu'un flush. Un molly de tomato. Eh ouais frérot, eh ouais t'as full. Non t'as deux paires d'âmes valets, qu'est-ce qu'il fait avec deux paires d'âmes valets? Il est incroyable, mange ta tomate frérot. Il a bet call deux paires d'âmes valets impunément. J'ai quand même bet dans 5 joueurs frérot flop et je viens de te raise all in river quand même. Main event WSOP, priez pour nous. Quand il libère, t'as les jets tes cartes, c'est à moi de payer ça. Good luck, on est derrière. Il nous faut un 10. Allez on mérite après tout ce qui s'est passé sur ces WSOP. On mérite même un partage, juste un 7, un 5. Un 7, un 5, un 10. Un 7, un 5, un 10. Yo viral. Un 10, c'est très bien. Incroyable. Oh, belle vue au Mexique. À
putain, c'est un gros lifetime. Il a les cheveux gris comme moi. Voilà, on va regarder qui c'est qu'on invite à notre prochaine partie privée, les amis. Nivar, qui dit, quand tu cherches la win, tu folles pas As. Attends, j'en ai un autre encore. Je pourrais pas folle les notes perso, moi. Celui-là, il est incroyable, virtuel. Michto 79, tu comptes jouer que AA. Ouh, Alex Foxen qui colle 4 bêtes, les amis. Il a le droit d'avoir 2 As. Ça sera tant pis pour nous, si jamais c'est le cas. Mais il a le droit aussi de go broke, de dame, As-Roi, et ce genre de main-là. Donc on y est tous ensemble, les amis. 10 000 $ l'entrée, les barbus, la décision d'une vie. Et il a le droit d'avoir un bluff une fois de temps en temps. 2 dames en value. Pot énorme. Pas de blague, s'il vous plaît, c'est un 10K. Pas de blague contre Alex Foxen. Brick. Si je voyais une dame là, j'aurais fait comme ça. Comme ça j'aurais fait si je voyais une dame. Oh putain. Le flip d'une vie. Allez, on doit le gagner, celui-là. Oui, 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 oui. Inespéré sur la river. Putain, cet as inespéré. Oh, la trique d'une vie. On s'en fout. C'est complètement dingue, il en fout partout sur la table de poker. J'en fous partout. Waouh, flush max, incroyable. Flush max, les nuts absolus. On va checker frérot. Les nuts. Le 8 fait quinte maintenant, on n'est pas très content parce qu'on a un 8. Donc il a moins souvent un 8. Mais là il dit qu'il a un 8. On va coller. River As, il devrait pas bluffer. Je pense qu'il a un 8 hein. Je le vois pas bluffer avec son stack déjà à la turn. Je pense vraiment qu'il a un 8. Il s'est gardé 0,0 bébé. Il bluffait putain. Non il a flash, je peux pas y croire. Quel chat. Quel chat yo viral. Quel chatard ce yo viral. Quel chatard ce yo viral. Il a quoi? Il a 5 et 9, on est devant. Il a 20%. Il a seulement 20%. Surprise, motherfucker. Non, pas le 5. Mais j'ai les piques et tout, comment? Polarisé dans le sens des nuts, as, roi, roi, dame, dame, peut-être, valet. Ah là là. Et les briques, les... Allez, pique, 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 pique. Yo 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 viral. Yeah baby, du bilibili. La dame elle est pic 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 pic. Call. De pair 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 pair. C'est quoi ce valet de carreau? Je m'en bats les couilles, je colle tout. C'est quoi ce valet de carreau qui fait rentrer roi 10 et les carreaux? C'est quoi cette merde de carte de merde de chien? Je colle tout, j'en ai rien à foutre. 20 lèvres de 15 000 balles, je colle tout. Tout est collé là, avec deux paires ici. Il a des bluffs, il peut même éventuellement value de. Tout est collé frère, y'a pas un cas. Allez, tout est collé, frérot. Ah, j'ai dit peu value moins bien, bien sûr, frérot. Oh, la trique d'une vie. Matman Live qui dit Wazas, Wazas, Mat. Qu'est-ce qu'on dit, là? Aski GG, merci. Merci à tous. Sa mère stresse dans mon lit à 3h30, dit teuf. Merci, mon teuf. Moi aussi, je stresse pour moi-même. un peu chaud, un peu transpirant, mais ça va. Il y a quelques années, j'aurais été en PLS. Tu me fais faire ça en 2014 ou en 2013, impossible de supporter. C'est pour ça que ça sert à rien de faire des stats, les gars, et d'essayer de vous qualifier sur des trucs-là. Impossible de jouer correctement, mec. Non. Un 10, une dame. Je joue tout le paquet. Un 10, une dame, un cœur. Rouge. Allez, 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 allez. Mes amis, priez, il est presque 5h du matin, il y en a qui travaillent demain. Merci d'être là, je vous aime. Merci d'être là, je vous aime. La 15 est là, à côté du téléphone. 80 balles. Blue, blue. Ah, maintenant on parle, hein. Maintenant on discute, banquier, hein. Ok. Tu rigoles. Pas la 14. Pas la 14. Heads up. 107 euros ou 80 centimes. Le flip d'une nuit. 107 euros. La 14, elle est là, à côté du téléphone. I say no deal in this round gets you the 9. 23 players there, but 8 of you. Yet again, you guys. Truc de ouf.
Call Valley 10, sérieux. Hé hey. Voilà. Et à un moment donné, j'ai engueulé le board. J'ai engueulé le board, j'ai dit, hé hey, hé hey gros, arrête tes conneries là. Il a gagné 3 balles de match. Et tu vas pas me mettre un Valley 10 off avec son race call de 20 bébés indécent là. Je pense que j'ai fait le bon fold vraiment, plus contre ces profils là. Je le domine post-flop, j'ai pas envie de m'embarquer dans un coup sick où il dit j'ai le 3. Voilà, c'est fini mon frère. Premier tournoi gagné dans le challenge MTT, jour 8. C'est beau, c'est beau. Bon après, paire de 4 par contre, je vais quand même chauffer, pas déconner. Ah, il a chauffé, je croyais qu'il allait jouer beaucoup plus tard que ça. Deuxième tournoi gagné dans la soirée. Allez, elle est belle. Deux premières places, une deuxième place, elle est belle. GG les gars, on a vraiment bien run sur ce tournoi, hein, évidemment. Le flip d'une vie, allez, un 5. Un 4 ou un 5, un 4 d'une vie. Oui. Et la fumée remarche, c'est un signe indigène. Amanline. Luminator qui est sûrement avec Réa qui a fold. As-Roi contre As-Valet, il nous met le Valet, putain. Une dame ou un Roi? Une dame ou un Roi? On n'a pas le droit de buster comme ça. On n'a pas le droit de buster comme ça. Peau du Chipli ou deuxième en jeton. On n'a pas le droit. Putain. Allez, Anas, s'il vous plaît, Anas. Non. Putain, mais pourquoi on a des spots comme ça en SB avec une main comme ça et on se fait niquer par des mains plus fortes et on touche pas, putain. Il y avait 34 400 au premier, putain, c'est chiant de boss maintenant, c'est chiant de... Yeah, yeah, you're doing well, okay. 2500. C'est là où on joue pour le gras. Allez, au revoir. Voilà, à 10. Allez, mange ta sœur. Oh là 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 là. 5K parce que j'ai fait blackjack. Allez, 2500 ici et 2000 ici, ça fait 4500. Pas mal le 4. Pas mal, pas mal. On va double down 10 contre un... Là, on va devoir mettre 2000 de plus là. Préparez-vous, c'est un bet à 6005. Ici, je mets 4000 parce que je suis en avantage contre un 4. Allez, 10. Ouais, 9, c'est bien, c'est bien. 18, on est bien. Allez, il y a 6005 en jeu, les amis. Bust. 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 Tu like this end? Oh, nice. When someone goes in, it's good, no? Yeah. I'm gonna call it some more sneaky. To raise more. Yeah. No, he cannot. He's all in, but for someone behind to do something. He has ace 4. And I win. Little kiss. Did you really do that? Yes, to Vladimir. Vladimir, I give you a kiss. Bisous, bisous, Vladimir. Bisous, bisous. Je t'embrasse. Je t'embrasse, Vladimir. On a fait la river ici, on a New York back resoline. J'avais call et on tombe contre As-Roi. Oh là là, pas de trèfle, pas de blague. Pas de blague. Pot à 71 blindes. Pas de trèfle, pas de verre. Non, mais non. Mais non. Oh, je suis all-in là-bas, As-Dame. Attendez, all-in dans le double SOP, c'est plus important que tout. All-in ici, deux As. Il a quoi? Il a As-Roi de carreau. Pas de carreau. J'ouvre tout de suite la carte, j'ouvre tout de suite la carte. Non. Deux As contre As-Roi deux fois. As-Dame, le valet, les valets, le flip. Non. Flip d'une vie. As ou Dame. As, dame, 9. Non, mais quelle déchatte. Mais tout le temps, ça va être comme ça. Oh, ce double bust. Incroyable ce qui vient de se passer. Allez, on a peur de rien. On a l'as de carreau. On a fait flush sur le double SOP. Incroyable ce qui se passe. C'est insane. Flush sur le double SOP. Allez, il fait tapis. Incroyable. L'as de carreau. La dame de carreau, frérot. On l'a vraiment appâté du début à la fin. Jolie main, frérot. Oh là là, c'est un call, je crois. Je crois qu'on peut pas folder. On y est, les amis. Il a plein de paires, normalement. Allez, le 40-60 pour 1000 balles. 1000 balles à la clé. 1000 balles. 1050 si je l'élimine tout de suite. Brick. 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2. Non. Oui. Je suis trop con. J'en ai marre de dire non sur des trucs. J'adore. Apprends à jouer au poker avec Yo Viral. Valet de cœur, tu l'auras demandé. Tournoi à 500 balles. Valet de cœur, tu auras ton cas. Toi et moi.
C'est une histoire d'amour, une histoire de stream. Le cœur d'une vie, le valet de cœur, Samba. Le valet de cœur, la canne flush royale d'une vie. J'en ai moins de 10 en carrière, il me semble. En 10 ans de poker, plus de 3 ou 4 millions de mains jouées online. Et je ne sais pas combien en live, mais beaucoup. Et une canne flush royale, ton cœur. As-roi contre as-roi. Allez, le carreau. Le carreau, oh non. On l'a créé en même temps. Oh, putain, le carreau. Le carreau, putain, il a flippé, t'as flippé, frérot. Hein. Allez, roi ou dame? Non. 10. Oui. L'homme qui appelait les cartes, on l'appelle Sir Flo, l'homme qui avait... Un 10. Brique. Brique à 10 000. Ticket à 10 000, les amis. J'arrive même pas à réaliser. On vient de prendre un ticket à 10 000 dollars l'entrée pour jouer un tournoi à 10 000 dollars online. À 10 300 exactement, c'est insane. Yo, viral. Tu pries qu'il est As 300. Ouais, non. 8 ou 9. Appelle un 8 ou un 9. Un 8, c'est très bien, un 8. Un 8, le 8 d'une vie. Mais j'ai la chatte à bidule, c'est vraiment de la folie. Ça m'arrive jamais. Ce genre de truc m'arrive pas. Une dame. Elle aura pas duré longtemps, cette chatte. Une dame. Putain, j'ai fait quoi? J'ai mon écran qui s'est éteint, voilà, c'est bon. Bon bah, chat de courte durée, roi dame suité, 17 blindes, face au chip leader qui devrait open une tonne vu qu'il y a un mec à 10 blindes là, un mec à 12 blindes, enfin, il y avait moi aussi. X10 les dés, n'importe quoi, x10. Non, mais pas un, pas deux, mais pas maintenant, mais pas maintenant, pas maintenant. On a des fois 100. Tu comprends que s'il fait x5, je prends 500 balles. S'il fait x... Non, c'est combien? 500 balles, je prenais plus que ça. Ne, stop! Mais stop ta race, putain! Mais stop-toi! Mais stop-toi! Stop-toi! Ah! Comme par hasard, je joue à 25 pendant 3 heures, et là on joue à 10 balles et on a les 4 rolls! Mais c'est une blague! Je joue à 25 pendant 3 heures, mais c'est un truc de fou! Pendant 3 heures, je perds 100 balles la minute, et là c'est 4 rolls sur 10 balles! Mais qu'est-ce que c'est? Mange ta fumée, Jawad! Mange ta fumée! Mange! 10, c'est bien 10, non? 10, c'est rue de la paix! C'est rue de la paix, 10! C'est 1000 balles! Mais c'est 1000 balles! Un jeu de merde, on prend 1000 balles à un jeu de merde! Et bah voilà! Et bah voilà! Et bah voilà, tu sais! Putain, mais on joue à 25 balles tous les coups, c'était 2500 balles normalement! On jouait à 25 balles tous les coups, ça a fait mes 68! J'ai pris 1270 au lieu de prendre 2500 balles! Ah, je me suis explosé le pied, mais genre violent. Mon renard. Mon petit renard avec moi. I was very short. Like, you remember I show you like that before. But now I was like that. And now, with that, you don't know what I'm capable of. I miss so much the boards. Suivez. Oh, il nous faut un 10, il a deux valets. Avec 6 blindes. Oh, un cœur. Un cœur, s'il vous plaît. Un cœur ou un 10? Un cœur ou un 10? C'est un cœur, c'est rouge. Le slow roll d'une vie. Prends le 7 de cœur. Ouh, le flop d'une vie. J'ai pas trop de 3 hein, en SB. J'ai beaucoup de Broadway. C'est pas un flop où j'ai souvent des grosses mains malheureusement, mais bon. Là, j'ai quand même quelque chose pour faire tapis. J'ai souvent ce que j'ai quand même quand je fais tapis. Est-ce qu'on peut bluffer le coup différemment? Alors, on est obligé de faire tapis, les amis, dans le WSOP. On est obligé de faire tapis avec tirage quinte et tirage couleur. On est obligé. Allez, on joue tout contre Thoras. On joue vraiment le 5, le 6, le 7. Le 7, c'est très bien. Et le 2 au cas où. Comme ça, on fait une straight à 6 cartes. 1500 dollars millionnaire maker. Est-ce que je vais bust comme une merde? Ou putain. Je veux pas voir ça! Je veux pas ouvrir! Ah! Ah! Putain de ta race de chienne! Putain, j'ai buzz comme une merde! Pas de blague, la dernière carte, la river, celle qu'on ne veut pas voir. Maintenant, brique! Yo viral, la base virale. Je suis placé deuxième derrière un Allemand.
C'est toujours les Allemands qui gagnent à la fin. Entre en sandwich, entre en allemand. Je suis un Pausenbrot. Ich bin ein Pausenbrot. Roi 6 suité, on va just call. Wow, je fais un 6 et les piques. Je fais un 6 et les piques, les amis. Il n'y a pas trop de FE sur ce spot là. Il n'y a pas les versions offsuit. Il n'a pas les versions offsuit 8 et 7. Il n'a pas les versions offsuit 9 et 10. J'ai plein de deux paires. Ouh, j'ai fait flush à la turn. J'ai fait ça. Je suis à 10 left, je ne me contrôle plus. I cannot control myself. Oh putain, le 8 de pique, c'est horrible. Le valet de pique fait qu'un flush et l'as de pique me bat maintenant. Il a plein de valets de pique dans sa range. Il a plein de valets de pique. Oh. Il a tellement de valets de pique, c'est horrible. Il peut tourner en bluff plein de trucs aussi. Ouais, juste 60 euros d'average bain. Ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ah là là, ce coup m'aurait mis tellement bien en demi. C'était cool, 9 259 $, 7ème sur 4100. Je demande à tous les indigènes de me donner toute leur puissance pour remporter 206 000 $ et mon plus gros gain de ma carrière, tout confondu, aujourd'hui, avec le record de viewers. Putain, vous êtes 11 700 à me suivre. Oh, ligne 30 blindes, incroyable. Vous ne rêvez pas. Allez, 68 millions le pot, 68M, on passe à 100M de stack, c'est irréel ce qui vient de se passer. Là c'est pas un gros fairway, c'est payé valet 8. Eh ouais Tiger, eh ouais Tiger, on bosse Tiger Woods les gars. On les mange, des coups de club, des coups de quoi t'as comment ça s'appelle, de driver, des coups de driver frérot. Tiens, on fait quinte, on fait carré, runner, c'est incroyable, juste avant la pause. Préparez-vous messieurs, l'heure est grave. Je bête cher. Brelan de 9. Incroyable ce brelan de 9 river. La meilleure carte du paquet. 60 millions, il me reste dans 140 millions. Je t'en value sur deux streets. On va tank et shove. Je vais prendre 10 secondes parce que le coup est important. Et que je sais que mes bluffs ici, je réfléchis. Il a le 9. On l'a value sin, deux streets, on était devant, et la troisième, c'est pour sa pomme, 37 blindes. As 4. Vraiment, à tout moment de la main, si on shove, il fold, pré-flop, flop, turn, il faut slow play, il faut pas flipper de prendre un bad beat. Attention, deux as contre deux rois, c'est maintenant la table finale, c'est maintenant, juste après cette main, c'est maintenant qu'on fait la plus grosse perf. We left, table finale pour 206 000 $. 1 milliard 183 millions de jetons. On joue pour un palier à 9 000 $. C'est 9 000 $ supplémentaires en regardant un mec se faire éliminer. Le meilleur métier du monde. Vous êtes plus de 10 000 viewers, il me semble, entre Twitch, YouTube et Facebook en ce moment. Merci d'être là, je vous aime. Am, oh, Lynn. Indigène, c'est maintenant, c'est ce soir. Bonne chose avec une fin. Je regarde pas comment j'ai joué. Évidemment, je suis triste hein, de faire 5ème et 5ème de 7000 joueurs quasiment. Merci franchement du fond du cœur d'avoir été avec moi. Merci à tous ceux qui envoient du soutien dans le chat. Et voilà, un ITM après tous les bounty prix à 4€ sur un tournoi à 1€. On a fait 5ème. J'avais même pas fait gaffe qu'on était en table finale pour vous dire. Tellement c'est ça pop-up de partout. Tu te faufiles en table finale en faisant rien. C'est ça qui est dingue, quoi. On est pas mal sur ce jour 1 du challenge. Si vous kiffez, mettez un énorme pouce bleu. Thibaut coach viral qui vient de me follow. Merci mon Thibaut. Il est coach dans le club Padawan et dans le club confirmé en cash game online. Il vit à Cambodge. Tu viens de te réveiller tranquille. En bon joueur de cash game. Tu sais, les joueurs de cash game se réveillent à 9h30, 10h du mat. Je suis joueur de cash game. Je me réveille. Je vais grinder mes filles. Regardez avec quoi il a mis ses 100 blindes. Le palier va avoir lieu 7 over 7.
Ça y est, 10 000 $ d'assuré, Sébastien s'est fait éliminer avec brelan contre brelan, incroyable. Et maintenant on prend 10 100 $, prochain palier 3 700 $ de plus, on veut pas le rater celui-là. Ah, c'est Victor le chip leader, vous imaginez, c'est le gars qui tenait bon avec 15-20 blindes, et qui est là chip leader avec 75 blindes, un massif chip lead. Et ouais Victor, t'abuseras pas du bouton comme ça. Il a collé paire de 6. Allez. Allez Victor, on va fumer le cigare ensemble. Je t'offre un petit cigare. Le flip d'une vie. Un as, un valet. Non. Pourquoi on perd le flip d'une vie, sérieux? Thomas le nit. Perd le flip pour passer à 50 blindes. Oh, c'est vraiment battu, hein. On mérite pas de faire troisième, on mérite pas. C'est le seul jeu où tu fais troisième, tu prends 13 000 et t'es dégoûté. Le coin flip d'une vie, les gars. C'est pas grave, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, merci d'avoir été là. N'oubliez pas, je lâcherai jamais ce putain de micro. Contre Dario Sammartino, deuxième du main event, WSOP, deuxième barrel et on fera all-in river. Deuxième du main event, WSOP l'année dernière, pour 6 000 000 $, Dario Sammartino. Payé. Putain, il a fait quinte. Non, putain. Il a fait quinte. Allez, on va re-entry. GG Dario. Ça a des millions aussi. Double all-in. Le main event turbo series MPA avant Antoine Labatte. Est-ce qu'il a paire de rois comme dans les... comme au main WSOP en table finale? Est-ce qu'il a une paire de rois? Non, il a une paire de 9. Oh là là. Un 10, un 5. Antoine Labatte contre le Malvide. Incroyable. Non mais non, pas full. Il avait dame 9, putain, il a fait full. Vous vous rendez pas compte de la taille du pot, je passais à 100 blindes sur le 1000 balles. Où il y a 35 000 à la gagne, à 65 left, je passais chip leader, c'était le pot du chipé. On est en table finale, 7 200 $ à la gagne, 840 $ d'assuré, tournoi à 320 $, il y avait 80 joueurs. Il a payé. 8 joueurs restants, 7 200 $ à la gagne. C'est lui qui a la suite et moi Asbalé, ça vous rappelle quelque chose? Allez, on gagne. Et on prend un palier, on a lancé une tomate qui n'est pas partie. Il joue 58-41, il joue vraiment beaucoup trop de mains, donc j'ai un easy shove. I call As-Valet. Le flip d'une vie. Le flip d'une vie. Non, pas le valet, putain. Oh, on était encore loin, t'as son 50 de left. La tablée finale est... et on va payer, évidemment. Ah, putain. Il avait 8 blindes. On partage. On aime ce partage. Ah, j'ai dit on partage, qu'est-ce que je dis? Je suis incroyable, je croyais que c'était 2-2-3, je croyais que c'était doublette du 2. Il connaît pas les règles du poker, il a cru qui partageait. Oh le fils. Brelon. Merci indigène. Full. Alors je vais mettre 20 000 à Nissa Kate. Je check river Anissa. Il a plein de gutshots ici. J'aurais pu checker moins vite d'ailleurs. Amolina, 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 Amolina. Tu t'y attendais pas à celle-là, hein? Mange ton chauve! Allez, raboule le fric, frérot! Raboule, fais péter! Deuxième sur 5. Obligé de call! 7 200 $ à la gagne. Il a plein de petites paires, on l'avait dit. Le flip d'une vie! On jouait tout! On jouait tout! On jouait tout! J'ai fait tout figé, j'ai tout niqué, les amis. Cinquième, caméra figée. J'ai pris 1 800 $ sur ce tournoi, qui vient de s'ajouter aux 2 200 $ sur l'autre et les autres places payées. Putain. Eh putain de ta race. C'est quoi ce jeu? La case a sauté. Ah mais le banquier flippe parce qu'il y en a de moins en moins à sortir, il me propose 120 $. Pas de deal, frérot. Il faut pas qu'il ait la 16 maintenant. Si elle se fait éliminer, je vais jouer pour des clopinettes. 12, 3, oh putain. Il en reste 5, le banquier propose 213 $. Jamais. Tu rigoles ou quoi? Pas la 16, pas la 16.
Blue, c'est bien. Blue. Non, j'en peux plus. Mais pas si près. Un de caprice, 16, oui. Lève toi vite, 9, 10. Moi, c'était chaud dans la pièce. Aussi mal, ta gueule. C'est la 11, c'est ça? Voilà, sa mère, mon chiffre préféré, putain. Sa mère, ce jeu de fils de chien. J'ai refusé 200 balles, allez, on rejoue. Ah non, mais c'est 10 balles. 1000 balles dans la 16, putain, incroyable. Là, j'ai chaté de ouf, là. Allez, je la remplis un peu. 500 balles dans la 15, 250 balles dans la 14. Ah ouais, ça va être une game. On va arrêter sur cette game. Ça va être ma dernière game, là. Et on la remplit de la 16, là. Allez, 2011 balles, c'est bien. En gros, il faut que les bleus soient éliminés. Ok, dans les bleus, il y a de la merde. Dans les rouges, il y a pas mal. Faut pas que la 16 soit éliminée, je peux vous le dire. 1, 2, range tes jeux. 3, 4, mange tes tomates. 5, 6, 1 de caprice. 7, mais pourquoi? Pourquoi c'est la première éliminée? Pourquoi ce fils de chien banquier me propose 110 balles? Je m'en bats les couilles. Mais c'est une blague? C'est un troll? Je joue pour la 15 maintenant. 500 balles dans la 15. La 14, putain, il met 250 balles dans la 14! Ah, bah il flippe, il propose quand même un peu plus le banquier. Hein. Vous voyez là-bas? Avec sa tête là-bas? Il est derrière là, dans l'ombre. Ah, les banquiers en PLS en ce moment d'ailleurs, à cause de la crise du coronavirus. Hein. Ils vont vous proposer des trucs comme ça, vous allez vouloir retirer 1000 euros de votre épargne, ils vont dire non, on vous propose 200. C'est votre argent. La 15, elle a sauté, voilà comme ça c'est fait! Putain de toros! La 13, c'est 200 balles! La 13, s'il vous plaît! Putain, j'ai l'impression d'être en crise avec une banque française, putain. Donnez-moi mon épargne! C'est mes sous! C'est mon assurance life. Que du bleu, s'il vous plaît. Pas la 12. Pas la... Putain, je joue pour 200 balles ou 20 balles. Le banquier me propose 110 balles. Mais tu rigoles ou quoi? Est-ce qu'il faut switch la caisse? On va switch la caisse. Parce que je pense que c'est la... La 13, elle est là-bas. Je pense que là, c'est la... La 6. Non, mais j'ai switché. Fallait pas switcher. C'était 200 balles si je switchais pas. Yo, guys, how are you? Good luck, hein. Envoyé. Il se passe quoi là? Ils vont vraiment recevoir ça? C'est énorme. Yo guys, how are you? Good luck, hein? Merci d'être là, je vous aime. Ah, le micro il sature de ouf. Ils doivent tilter de ouf, putain. Merci, ok, il a dit merci. Incroyable. C'est les mecs qui s'en battent les couilles. On a vraiment un battage de couilles. Dorine en face. Dorine elle est à fond. Ah, Dorine, elle est là, c'est interdit et tout. Elle dit non, c'est pas possible. Ah, ok. N'allez pas faire des courses comme des oufs là. Moi j'ai entendu un truc, je suis désolé les amis, je peux pas être d'accord avec ça. J'ai entendu un truc qui dit faites les courses comme avant. Mais pourquoi? Pourquoi faire les courses comme avant? Mais pourquoi? Pourquoi aller tous les jours dans les magasins, putain, se refiler le coronavirus qu'après on va refiler à notre famille en rentrant à la maison? Pourquoi pas faire un peu plus de courses d'avant? On se dit pas de prendre pour 3 semaines. J'ai entendu un ministre dire on doit faire les courses comme avant. On a l'impression que quand ils sont dans les supermarchés, y a plus de coronavirus. Ah bah là y a pas de souci. Dans le supermarché on est immunisé. Hein, je suis rentré dans le Carrefour, je suis immunisé. C'est bon. Putain, mais c'est là où y a le pire, c'est le pire. Vous touchez toutes les surfaces, vous touchez tous les trucs que les mecs ont touché 10 fois. Vous touchez, vous postillonnez dessus. Mais vous croyez quoi? Il se passe quoi dans les putains de supermarchés? Vous filez le coronavirus, vous le filez à votre famille, à la maison, à vos parents, aux gens les plus âgés. Et les gens ils disent ouais, vous faites les courses comme avant. Mais qu'est-ce qu'on raconte? Faut une seule personne qui aille en course, faut qu'elle fasse des courses d'avance. Faire des courses sur internet, putain. Sur internet, il faut des services qui se créent, qui vont faire les courses pour les gens. Faut qu'il y ait le moins possible de gens dans ces putains de supermarchés. Excusez-moi, mais ça sort du cœur. Pourquoi y'a personne qui dit ça? Pourquoi je vois pas ces trucs là passer? C'est même pas logique, y a aucune logique. Vous pouvez sortir juste pour aller faire les courses, mais oui, mais pour aller faire les courses. On n'est pas immunisé quand on fait les courses, putain. C'est là où on se le refile. C'est comme ça que la pandémie elle continue. C'est comme ça que les gens ils vont mourir de plus en plus. Allez, ce soir c'est la soirée. On va bourriner les frères. Ce soir on bourrine. On n'est pas là pour rigoler. Je vais checker. Peur de rien. Mettre en confiance avec une main. Le 7. Ouais, c'est un coup important. On colle ou on chauffe tout. On fait une pause s'il vous plaît parce que là c'est trop marrant. Ouais, ça va être toute la soirée comme ça. Qu'est-ce qu'il faut avec 4 et 7 off? Les japonais et les chinois sur ce site, c'est de la folie. Et bah voilà! Elle est là! On l'a eu, Pamela, le retour! I'm gonna beat you in poker. On va jouer au poker contre Pamela. So, king and a deuce for each hand. You're gonna beat me in poker, really? Je fais fold ou quoi? I don't know, this is a deuce. Moi de haut contre Nitu, je mise. With two hands. Vas-y, raconte-moi. Raconte pas ta vie, fils de p. Ouais, wow, c'est bien sur ce board! Allez!
J'explique en fait. En fait, c'est dur. En fait, il faut coller sur certaines textures, il faut coller. C'est assez intéressant, même quand t'as rien. So, how are you? I'm good. In Malta, the situation is okay so far. But in France, it's terrible now. Eight of hearts. Eight of diamonds, so situation is okay. For us, I don't know, it's like, till the schools are shut down. 8 et 3, je suis working. J'ai tirage 4 par et 2. So turn, deuce of diamonds. Pamela, putain, j'ai l'impression que ces seins sont plus gros qu'avant. I feel they are bigger than before. Je lui dis la vérité. Anyway. What? Yeah, it just looks like. I'm struggling all night with my hair. Because like, I don't know why, but they're electricized. Qu'est-ce qu'elle dit? Electricity? I don't speak about your hair. J'ai 6 et 4 sur Assassin's 3, je suis obligé de folle. No, it's just, you know, it's just imagination. Well, j'ai flush et paire de 2. Ça va? Bah, on a gagné les deux côtés. Like the hand on the left. Uh-huh. Pair of faces, bonus round no, pairs. No, on my left. To like the left, on your left. I don't know which is your left. Mine is this left. Je comprends rien. Et ma gauche c'est quoi d'après toi si je suis en face de toi? Queen of diamonds and... And the boss of les indigènes, you know who it is? Oh. Anissa Kate. The pute! The pute? Non, la déesse de la chatte. Speak meilleur of Anissa Kate. J'adore Anissa Kate. Ah ok, merci. It's the goddess of the chat, so you need to to pray. Anissa Kate, I love you. Of course you love her. Désolé pour ma... Voilà, exactement. Évidemment, Brock, on fait le coup de... Putain, il a As-3. Ça, c'est sûr, il a As-3. C'est sûr. J'ai As-3, je te dis, putain. Voilà. T'as qu'à regarder. Je te dis, j'ai As-3. Pourquoi tu go Brock avec As-9? Allez. Ok, on réchauffe. Pourquoi il a just call avec 30 blindes? Bref. Obligé de réchauffe, paire de 10, les amis. Rah, il y a deux valets. Putain, ça me gave, on fait 330e sur 6000 joueurs. Putain, vous êtes 3500 quasiment entre Twitch, YouTube... Et Facebook, même... Non, vous êtes 3500. Merci d'être là, Amoline. Merci d'être là, je vous aime. Et voilà, foule contre foule. Oui. T'avais qu'à pas coller ton foule. Allez, deux mecs à bluffer ici. C'est moi, hop, 1. Et Lincoln Freitas avec ton nom de président de la République. Tu vas pouvoir folder tranquillement, là. Allez, hop. Merci, merci Max. J'aime bien m'envoyer des fleurs. Voilà, bon prix pour les tirages. Bon prix pour les tirages. Là, il fait 4 max. Et tirage couleur, c'est pas mal. Pas mal. Tout sera payé, monsieur. Tout, vous saurez tout sur le zizi. On peut presque shop parce qu'il y a plein de river qui cache l'action. Drawing dead. Il y a 500 balles du coup, hein. Allez, hop. Y'a pas de son. Mais du son. 60k. 1500 balles. Putain, mais y avait un 60k. Amoline. Ah merde, non, mais je suis con. S'il voit mes cartes. Allez. All-in. Je vous montre juste après. Putain. Dame. Sale chien. Putain, j'avais le spin à 1500 balles. J'en peux plus de ce 70-30 à 1500 balles. Toute ma vie. Putain, mais quel enfer. Je vais tout coller, frérot. Qu'est-ce que tu bêtes le 6 à la turn? Pourquoi tu bêtes le 6 à la turn? Non, j'étais pas devant avec mon 8. Il m'a payé 5 et 9, il va pas gagner 5 et 9. Il a gagné 5 et 9. Il a gagné 5 et 9. Les boîtes. Ouais, c'est vraiment le pire jeu du monde. Plus jamais ce jeu. Je me fais raser, mais d'une force. Allez, rouge. Pas rouge, bleu je veux dire ici. Allez, la 15 elle a sauté, la 16 elle a sauté. J'en peux plus. Je me casse. J'accepte le truc du banquier et je me casse. Non, j'accepte pas, je vais jusqu'à la fin. Je me casse, mec, la 16 et la 15 elle saute direct. J'ai même pas un espoir, frère. J'ai même pas un espoir. J'ai dépensé 300 balles pour jouer à un jeu où il y a même pas 300 balles à gagner. C'est quoi ce jeu? Plus jamais, j'ai dit plus jamais. Y'a que des rouges. Mais c'est tellement drôle. Y'a que des rouges. La 2 bleue, voilà, la 2 bleue. Je mérite un bal, vas-y, un bal. Voilà, un bal. De toute façon, je gagne que un bal dans ce jeu.
Vous connaissez le sergent Pepper ? Comme chaque matin, le sergent Pepper assure sa tournée dans le comté de Wisher. C'est un peu la routine, à part les dealers dans les maternelles et les pyromanes d'hôpitaux, on a rarement des problèmes dans la région. Anissa Kate, tu m'as donné deux Anissa au flop. Une dans les mains, deux au flop, j'ai trois Anissa, je suis le meilleur. Je suis le plus refait des hommes. Et ça colmeuc. Zbra, un 10 ou un as ? Un 10 ou un as ? Un as ! Mange ta fumée ! Voilà ! Mange ta fumée ! Proprio Balte ! Bouffez mon cas ! Je vais te bouffer ! Salut. Call me Leah in the place. Hello. Oh putain ! Putain ! Oh putain ! Elle est en plein dessus. Martin Jacobson, c'est le vrai. Juste à ma gauche, vous voyez, il a carrément son avatar. Le champion du monde de poker en 2000, je sais plus combien. Je call avec As-Dame. Je fais carré de dame contre le vainqueur du Main Event WSOP. Je suis Pepito, le roi des carrés. Quatre copines. Il y a qu'à Belgrade qu'on voit ça. Quatre copines. Et tu fais tapis. Payez, Martin. Payez. Allez, mange ta tomate sur ton propre site, Martin. Charge-moi la tomate pour Martin Jacobson. J'ai toujours rêvé d'envoyer une tomate à Martin Jacobson. Guys, online I sent you many tomatoes. Tomatoes, yeah. That's the best thing about the software. I love. The only good thing. Attention all in, si jamais As 10, si jamais ça touche l'As, oh là là. On est sur le ticket EPT. Pas de dame et on a un ticket EPT. Un ticket EPT. Boum! Allez papa, le ticket EPT, on peut screenshot, vous pouvez y aller. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la bite en or? Alors en fait, c'est l'histoire d'un mec qui est ultra baraqué. Vous vous rappelez du commandant ou pas? Attends, je vais vous montrer le commandant. Le commandant, c'était mon ancien coach de sport. Et c'est genre un mec comme ça, comme le commandant. Le commandant, c'est lui. Il m'a coaché pendant un an et demi. Non, six mois, pardon. Le mec qui exagère à mort. Un an et demi, c'était six mois. En fait, c'est un mec comme lui, sauf que ce gars, bah, il a une voix de meuf, quoi. Tu vois, genre, il est baraque comme ça, mais il a une voix de meuf. Genre, il parle comme ça. Il est comme ça, tu vois. Le mec, il est comme ça, mais il parle comme ça. Ouais. Donc là, c'est ça son plus gros problème. Donc en fait, le commandant, il a rendez-vous dans un bar avec des gars qu'il connaît pas. C'est des gars avec qui il y a un rendez-vous de travail, tu vois. Ils se sont jamais vus en vrai, quoi. Et donc là, il va à ce rendez-vous. Il arrive dans le bar, il parle pas dans un premier temps, et donc les gars savent pas trop si c'est lui. Il dit, salut, c'est moi. Et là, les mecs explosent de rire. Les mecs explosent de rire et voilà quoi, ça y est, les gars le voient physiquement et il avait juste entendu au téléphone avant, c'était un collègue qui travaillait dans un autre pays. Et là il le voit et tout, bon, bref, le gars vraiment tellement mal, il s'en va quoi, il se barre. Et les gars s'excusent le soir et tout, par téléphone, ils disent non mais écoute, on voulait pas se moquer machin, c'est juste que c'était les nerfs qui ont lâché, tu comprends machin. Le lendemain, il leur donne rendez-vous à nouveau, même bar, il arrive, il parle pas dans un premier temps, les gars essaient de pas rire mais ils ont les lèvres serrées tu vois. Et là le serveur arrive, il leur demande ce que vous voulez à boire, tout le monde commence. Et ça arrive le moment où le commandant il doit commander et il dit une bière s'il vous plaît. Et là tout le monde explose de rire, y compris le serveur qui pète de rire, il lâche son carnet par son calepin par terre et tout, enfer. Le commandant s'en va, il quitte le bar dégoûté, il jure qu'on l'y reprendra plus. Il fonce même dès le lendemain matin chez un médecin spécialisé dans le traitement des cordes vocales. Et il lui dit au médecin, bonjour, bon comme vous voyez, je n'ai pas le physique de ma voix et c'est assez gênant parce que voilà, tout le monde se fout de ma gueule, j'en ai marre, putain, ça me gave. Donc là, tu vois, il est au bout de sa vie, il pleure, quoi, tu vois. Et le médecin lui dit, non, monsieur, calmez-vous. Le médecin, évidemment, très professionnel, pas un seul rire. Le médecin lui dit, calmez-vous, monsieur, je vais vous prescrire un remède, puisqu'il y a un remède à ça. J'ai déjà eu des patients comme vous avant. Je vais vous prescrire un remède pour ça. Non, monsieur le docteur, je peux pas vous croire. Vous avez quelque chose, vraiment? Oh, je peux pas croire. Et oui, monsieur, je vais vous prescrire un remède. C'est une bite en or. Vous moquez pas de moi, s'il vous plaît. Non, monsieur, je ne me moque pas de vous, c'est vraiment une bite en or. En fait, cette bite en or, vous allez devoir... Et là, il sort une espèce de putain de god, tu vois, genre un truc énorme, tu vois, mais en or, tu vois. Vous allez devoir la sucer tous les soirs, pendant 15 minutes d'affilée. Au bout de 3 jours, vous allez avoir une voix masculine pendant toute votre vie. Le mec en revient pas. Il prend la bite en or, il règle la séance. Il rentre chez lui et il commence à sucer sévère la bite en or. Le lendemain, pareil. Il la suce même 30 minutes au lieu de 15, hein, tu vois, il prend du plaisir. Et le troisième jour, pareil. Et là, il va au bar. Il appelle les gars et il leur donne rendez-vous au bar. Quand le serveur arrive, là, les gars se retiennent de rire et tout ça. Mais le serveur arrive, là, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Quand c'est au tour du commandant de commander, il dit, une bière, s'il vous plaît.
Et là, les gens sont choqués, quoi. Et dit, avec ça, vous rajoutez des cacahuètes. Mec, incroyable. Genre, il s'est pas forcé, quoi. Ça devient naturel. Il parle vraiment comme ça. Tout le monde est vraiment choqué. Et il commence à être accepté à mort, tu vois. Sauf que le médecin avait probablement menti ou alors enjolivé la chose. Parce que vers 3h du mat, après avoir bu quelques verres, la voix commençait à se dérégler. La voix du commandant commençait à repartir en couille. Et là, les gars se remettent à rire parce que ça devient gênant et jusqu'au moment où tout le monde se remet à rire. Tout le monde se fout de sa gueule à nouveau et il court, il rentre chez lui en pleurant, en courant. Il attend qu'une chose, c'est de trouver cette bite en or et de la sucer encore plus. Il se dit putain, j'ai peut-être pas assez fait, etc. Il la cherche partout, il ne trouve pas la bite en or. Il ne la trouve pas dans toute sa baraque, il ne la trouve pas. Et ce gars-là, je vous l'ai pas dit, mais il a une femme. Donc il va voir sa femme et lui dit, chérie, t'as pas vu un espèce de... Il n'ose pas lui dire, tu vois, il dit « Une bite en or !» Elle dit « Si, si, là-bas dans le placard !» C'est honteux. Ici je double down, ici je stand, et ici je stand. On est sur 10K, on a fait 10, 18, contre 6, on est ultra favori. 12, 10 !